bien aux miens. Comment je suis? T'es superbe. Oui? T'es sûre? Oui. Oh, pardon. J'en reviens pas de faire ça, tu te rends compte? Je le connais à peine. Oui, chaque chose en son temps. Merci d'être venue, Jill. J'aurais jamais pu y arriver toute seule. Où est donc ce prince charmant qui t'a fait perdre la tête? Il est là, près de la fenêtre. C'est lui, Kevin? Je crois. Ouh, comme tu dis, oui. Non, le voilà, il arrive comme je suis, ça va, sans rire. Tu es parfaite, mais calme-toi. Oh, c'est facile à dire. Enfin. J'ai cru que tu avais changé d'avis. Oh non, le ferry avait du retard, alors du coup... Tu es venue avec une amie? Ça va? Oui, c'est Jill. Oui, Jill Robertson. Kevin Watson, enchanté. Vous aussi, vous découvrez notre île? C'est magnifique, vous avez beaucoup de chance. Ça, je le sais. Vous vivez ici depuis longtemps? Depuis toujours. En fait, la famille de Kevin a été l'une des premières à s'installer sur l'île. C'est vrai? Et vous avez encore beaucoup de parents ici? Non, il n'y a plus que moi. Patty, quelqu'un meurt d'envie de te connaître. Oh, bien, d'accord. Juste un instant. Allez-y, je vais me cultiver pendant ce temps. Bonjour. L'élu de mon cœur. Oh, c'est les heureuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'évoque une autre époque, faite de pureté. Ouais. Vraiment? Oui, elle a l'air tellement joyeuse. On dirait que cet endroit la comble de bonheur. Vous faites souvent ça? Quoi? Questionnez les étrangers qui viennent voir votre expo pour savoir ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce qui m'a trahi? Vous avez de la peinture sur les mains, alors ou bien vous donnez des cours de dessin, ou bien ce sont vos toiles. Ou bien je suis peintre en bâtiment. Ça m'étonnerait vu que tout le monde a les yeux rivés sur vous. Rien ne vous échappe, on dirait. Oh, ça fait partie du métier. Je suis prof. Faut être observateur. Chris Hamet. Oui, je sais lire. Tous vos tableaux représentent l'île? J'ai grandi ici. Je connais que ça. Oh, encore un gars du cru. Vous en connaissez un autre? Oui, je suis venue avec une amie. Elle a rencontré un garçon à Spokane où on habite. Patty est maître nageur. Lui, il est venu à la piscine. Ils se sont plu. Il lui a proposé de venir le voir ici. Et vous vouliez vérifier que monsieur n'est pas un psychopathe? Quelque chose comme ça. Kevin Watson, vous le connaissez? Oui, oui, je connais Kevin. Il a encore égorgé personne. Tant mieux. Laissez-moi deviner, vous êtes prof de littérature. Art dramatique? Non, vous êtes très loin. Science? Non, c'est pas vrai. Je vous assure que si, et il y a pire encore. J'aime ça. Oh. Oui, d'ailleurs, j'attends la semaine prochaine avec impatience. Chris? Ah, te voilà. Je me demandais où tu étais passé. Les Shriver veulent te voir. Je vous en prie, Faye, on était... Leur carnet de chèques est prêt à servir. Oh, excusez-moi, mademoiselle. Pas de problème. Jill, voici Faye. Faye, Jill. Enchantée. Je vous l'emprunte quelques instants et je vous le ramène. Surtout ne bougez pas. OK. Non, non. Tu nages dans le bonheur. Il est si gentil, tellement craquant. Bon week-end? Excellent. Bien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais entrer, les amis de Kevin sont très sympas. Hein? Oh, ça va, retourne avec eux, toi. Kevin voudrait qu'on aille se promener sur la plage tout à l'heure. Je vais changer de chaussures au bungalow et il passera me prendre. Une promenade sur la plage. Heureusement qu'on fait chambre à part. Hein? Oh, t'es pas croyable. Est-ce que t'as le temps de manger un petit truc? Tu veux pas rester? J'ai vraiment très faim. Je vais prévenir Kevin. Tu parlais avec le peintre tout à l'heure, hein? Chris, c'est ça? Il a l'air sympa. Oui. Il est mignon. Je dis ça comme ça. Oui, occupe-toi plutôt de ta vie sentimentale. Tu trouves pas ça bizarre, toi, Kevin et moi? Comment ça, bizarre? Bah, regarde-le, regarde-moi, on fait un drôle de couple, non? Qu'est-ce que tu racontes, Patty? Tu sais, je suis très amoureuse, Jill. Et je voudrais vraiment que ça marche. Tu es la plus belle personne que je connaisse. Et si Kevin n'est pas capable de le voir, alors il ne te mérite pas. C'est vraiment quelqu'un de gentil. Il a intérêt, sinon il aura affaire à moi. C'est un peu tôt pour fermer, non? croire que non. On ferait bien de s'activer si on veut manger quelque chose. Ouais. T'es sûr qu'en coupant par le parc, on arrive au bungalow? La patronne du restaurant a dit que c'était un raccourci. C'était très bon en tout cas. Oui, et puis cet endroit avait vraiment quelque chose de spécial. Faut qu'on se dépêche, Kevin va m'attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Il y a quelqu'un. On ferait mieux de se dépêcher. Oui. Jill, hey, lâche-la, tire-toi. Ça va? J'ai dû me cogner contre le banc. Oui, sûrement. Tu t'es fait une belle entaille. Il faut la nettoyer. Allez, restons pas là. Patty? Kevin. Qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé de lui voler son sac. Quoi? J'habite depuis toujours dans une grande ville et j'ai jamais eu de problème. Et nous, on veut pas de ça ici. Tu l'as vu de près? Il avait une capuche et ça s'est passé tellement vite. Il faudrait soigner ça. Non, ça va aller. Allons faire notre promenade. Elle a raison, Patty. Je devrais t'emmener chez le Dr. Croft. Je vais l'emmener. Ma voiture est là. C'est gentil, mais je préférerais... Jill, Kevin peut m'emmener. D'accord, mais tu m'appelles, c'est compris? Oui, maman. Ne vous faites pas de soucis pour elle. Merci. Désolée, on est fermé. Bonsoir, je suis dans le bungalow 6. J'ai pas de réseau sur mon portable. Ouais, je sais, ces trucs-là ne fonctionnent pas sur toute l'île. Bon, il faut que j'appelle le shérif. Je peux téléphoner? Ah, mais que se passe-t-il dans mon chou? Mon amie a failli se faire voler son sac et je voudrais déposer une plainte. Seigneur Dieu, est-ce qu'elle va bien? Elle s'est blessée et quelqu'un l'a emmenée chez le médecin. Est-ce que je peux appeler le shérif maintenant? Ah, je suis désolée. Vous savez, le téléphone est parfois tellement capricieux ici. Je n'ai pas eu de ligne de la journée. C'est pas revenu? On ne peut plus compter sur rien. Mais de toute façon, je crois bien que le shérif est sur le continent cette nuit. Il devrait rentrer dans la matinée. Vous irez le voir dès son retour. Merci. Merci d'avoir ouvert à cette heure-ci, ça fait un peu tard pour une visite chez le médecin. Ne dites pas de bêtises, nous n'avons jamais ce genre d'ennui par ici. Vous allez avoir une mauvaise impression de notre île. Oh non, je crois que je l'aime déjà. Oui, elle est hors du commun. Waouh, vous n'avez rien à envier à la Croix-Rouge. Nous devons avoir nos propres réserves, au cas où nous serions coupés du continent. Bien, voyons cela. Malheureusement, elle n'a pas bien vu son agresseur. Oui, je m'accrochais désespérément à mon sac. Ce n'est pas si grave que ça. Mais je vais quand même vous faire 2 points de suture. Oh. Vous avez un naevus congénital. Ah, ah, vous parlez de ma tache de naissance. Ce n'est pas tout à fait une tache de naissance. Je suis vraiment étonnée qu'on ne vous l'ait encore jamais expliqué. Cette forme très spéciale de naevus est indicative d'un système immunitaire des plus résistants. C'est très, très rare. Vraiment? Mmh. Je suppose que vous n'avez jamais eu aucune des maladies infantiles habituelles. Varicelle, rougeole, oreillon. Jamais eu un seul rhume. Ouais, je n'en doute pas. Bien, allongez-vous sur le dos. Ce ne sera pas long. Je voulais m'excuser de vous avoir lâché comme ça à mon vernissage. et vous dire que je suis content de vous avoir rencontré. C'est-à-dire que ça me semblait une bonne idée en venant ici. Vous voulez bien rester? Je ne sais pas quoi faire. Moi, je m'en ferai pas trop, vous savez. Après avoir soigné son bras, ils ont dû faire leur promenade sur la plage. Oui, mais je lui ai dit de m'appeler. Certainement qu'elle non plus n'a pas de réseau. Et puis, elle a sûrement d'autres choses en tête, à mon avis. Vous êtes perspicace. Non, mais l'endroit est propice. L'île est belle, reposante. Les gens peuvent se laisser aller, oublier un peu leur vie. Vous devriez peut-être essayer. Je ne saurais pas par où commencer. Je peux vous aider. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous dites ça à une fille? Je ne suis pas en train de vous draguer. Ça m'a vraiment fait plaisir de parler avec vous. Et j'aimerais vraiment avoir la chance de vous connaître un peu mieux. Et comme il semble que votre compagne de voyage soit plus ou moins accaparée... Ça oui. Alors je pourrais être votre guide? Oui, j'aimerais voir la vallée où vous avez peint la jeune fille qui danse. Très bon choix. Je passe vous prendre demain matin. Chris? Merci. Dormez bien. Bonjour, Patty. Ah non, 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 je devrais... Laissez-moi tranquille, allez-vous-en. Je veux savoir pourquoi il est là. Je devrais pas savoir, mais je sais pourquoi il est là. Aidez-moi. Non, écoutez, je sais pas. Au secours, Alan. S'il vous plaît, ne criez pas. Au secours. Non, non, plus jamais. Son bagalo, c'était le numéro 5? Vous êtes allé voir? Je sais pas, Rose. Elle dit que c'était un grand type qu'il boitait. Uh-huh. Oui, bien sûr, je le ferai. Dès que... C'était quand, ça? Très bien, merci. Rose, fermez ce bagalo jusqu'à ce que j'arrive. Vous aussi. Elle n'a vu personne? Non, elle n'était pas là, je vous l'ai dit. Elle a jeté un coup d'œil au bungalow. Aucun signe d'effraction, tout avait l'air normal. Je ne sais pas comment il est entré. Ce que je sais, c'est qu'il est complètement cinglé et qu'il m'a fait une peur bleue. C'est ce que je vois. Cette jeune fille, c'est celle qui a failli se faire voler son sac dans le parc hier soir? Patty McMullen. Comment vous le savez? Rose m'a dit que vous vouliez m'appeler hier soir. Le boiteux que vous avez vu, il pourrait être l'homme qui a tenté de voler le sac de votre ami? Non, non, cette personne était plus petite et elle ne boitait pas. Mais il était aussi dans le parc. Je l'ai aperçu derrière nous, il nous suivait de loin. Si je comprends bien, le boiteux et le voleur de sac étaient tous les deux dans le parc hier soir. Ça faisait du monde. Écoutez, je ne comprends pas non plus, mais je suis sûre que si vous y alliez... C'est mon intention. On éclaircira tout ça. Je vous tiendrai au courant. En attendant, profitez au mieux de votre séjour. Merci. Chérie, regarde ce bateau de pêche. faites-le revenir. Ça va aller. Non. Pour entrer. On va voir. Calmez-vous, vous inquiétez, d'accord? Cabinet du Dr. Croft. Bonjour. Vous désirez? Bonjour, une amie a été amenée ici hier soir, Patty McMullen. Ah, nous fermons à 18 h le week-end. Elle s'était blessée au coude et quelqu'un l'a amenée ici d'urgence. Oh! Elle soigne les gens à toute heure. C'est pas sur le continent qu'on peut voir ça. Nous avons beaucoup de chance. McMullen. McMullen. Non, y a rien à ce nom. Si c'est pour le paiement... Non, je voudrais juste parler au docteur Croft. Je sais qu'elle est très occupée, mais... ça. Si votre amie est venue ici, le docteur n'a pas le droit de révéler l'état d'un patient. Sauf à un membre de la famille, évidemment. Oh, Patty est ma cousine, est-ce que ça compte? Ben, on peut demander. La cousine de Patty McMullen est là. Elle voudrait vous parler. Oui, bien sûr. Jill, bonjour. Nous nous sommes déjà rencontrés. Oui, à l'expo de Chris, il vous appelait Faye, je n'avais pas... Restons-en à Faye. Venez avec moi. Merci. Oh, jolie collection. Oh, c'est un de mes petits plaisirs. Quand on y pense, c'est tout de même étonnant de voir comment la profession médicale a évolué en si peu de temps. Certains de ces instruments étaient encore utilisés sur cette île il y a à peine quelques 150 ans. Oh, je n'aurais pas voulu être là. La vie n'était pas plus dure à cette époque. Les gens devaient faire avec ce qu'ils avaient. Enfin, bref. Mademoiselle McMullen. Oui. Ça va vous sembler ridicule, mais elle n'est pas rentrée hier soir. Et je n'ai pas eu de ses nouvelles ce matin, ça ne lui ressemble pas. Et je commence à m'inquiéter. Qui vous le reprocherait? Ma foi, je lui ai fait les 2 points de suture nécessaires et ils ont dû partir vers 9 h, 9 h 30. Ils? Elle est partie avec Kevin Watson. Est-ce qu'ils ont dit où ils allaient? Non, mais ils n'ont rien précisé, mais j'ai eu le sentiment qu'ils allaient rentrer ensemble chez Kevin. D'accord. Oh, je crois me souvenir qu'il m'a demandé si elle était toujours d'accord pour faire une promenade en mer ce matin. En mer? Oui, oui, il a un petit bateau. Et la météo est parfaite. Oh, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit parti pour la journée. Oh, c'est sûrement pour ça qu'elle ne m'a pas appelée. Je suis sûre qu'elle le fera dès son retour. Je vous ai dit que c'était ridicule. Pas du tout. Une famille doit être soudée. Mais je n'aurais jamais pensé que vous étiez cousine. On nous dit toujours ça. Désolée de vous avoir dérangée. Profitez au mieux de votre séjour. Merci. Excusez-moi. Où êtes-vous, Chris? Salut, c'est Chris. Je ne suis pas là. Laissez-moi un message. Bonjour, Chris, c'est Jill Robertson. Je sais qu'on devait se voir ce matin, mais j'ai dû m'absenter parce que... Non, je vous expliquerai tout ça quand on se verra. Je serai en ville à la cafétéria. Hé! Hey, il faut que je te parle! Hé! Hey, il faut que je te parle! C'est bon là? Ouais. On a fait une autre? Avec toi. regarde où tu vas. Camille, qu'est-ce qui t'arrive? Cette fille, Chris, elle veut me tuer. Quoi? C'est elle qui a essayé de voler le sac de Patty. Tu vois? Elle est complètement dingue. Elle m'a couru après à travers la ville comme une psychopathe. Vous la connaissez? Oui, je la connais. Vous n'aviez pas vu son visage, je crois. Qui vous dit que c'était bien elle? Pour info, jeune fille, si tu veux faire carrière dans le crime, je te conseille d'éviter les fringues trop voyantes. Tourne-toi. Allez, déconne pas. Tu vas pas croire à ces salades. Camille. Ça va. Le shérif aura deux mots à te dire. Ne faites pas rire. D'abord, vous pouvez rien prouver. Que dira ta mère quand elle apprendra ça? T'es pas obligé de lui dire. Allez, Chris. Jill, on peut discuter. Mon ami a eu des points de suture à cause de toi. Je suis désolée. Ok, Camille. Rentre chez toi. Allez, vite. Je passerai plus tard. Camille a fait une fugue l'année dernière. Elle était allée à Portland voir un garçon. Sa mère continue de la punir pour ça. Ce qui explique qu'elle a plus peur de sa mère qu'elle n'a peur du shérif. Faut dire qu'elle est beaucoup plus terrifiante. Comment ça? Vous l'avez vue? À l'expo, c'est Faye. C'est le Dr. Croft, sa mère? Sa mère adoptive. Quand Camille a perdu ses parents, elle... Enfin, Faye n'aime pas qu'on la présente en tant que Dr. Croft dans les cocktails. Comment vous avez su? Disons seulement que ce matin, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Ce qui m'agace le plus dans tout ça, c'est que... j'ai l'impression que le shérif ne me croit pas. Ah, mais bien sûr qu'il vous croit. Il veut juste éviter que ça s'ébruite. Que ça s'ébruite? Ça fait des années qu'on raconte des choses sur ce fou qui vit dans la forêt. Eugène Fritz. Quoi? Vous le connaissez? Ouais, tout le monde le connaît. Et c'est là le problème, un maniaque qui se balade sur l'île en pleine saison touristique, c'est... mauvais pour les affaires. Le shérif fait comme s'il prenait ça à la légère. Mais il s'en inquiète. Croyez-moi, ils s'en inquiètent tous. Mais pourquoi ne pas l'arrêter pour le faire interner? Non, ils essaient. Mais... Eugène arrive toujours. Oh, mon portable. Ça marche. Un message. Désolé, désolé, le temps s'envole quand on est heureux. À plus tard au bungalow. La vie est belle, non? Je t'aime, Patty. Ça va mieux? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, rien, juste... Patty écrit son prénom avec un I. C'est avec un Y, là. Oh, elle avait la tête ailleurs. Le principal, c'est qu'elle passe un bon moment. Et maintenant, c'est à votre tour. Suivons le guide. Je n'imaginais pas ça, c'est magnifique. Pour moi, c'est le plus bel endroit du monde. Je comprends maintenant pourquoi être ici lui donnait envie de danser. Qu'est-elle devenue? Elle s'appelait Émilie. Quand je la voyais ici, je savais que je la peindrais. Mais je pensais pas le faire de mémoire. Je suis vraiment désolée. Vous avez raison. Quand elle était ici, elle était au comble du bonheur. Quand on regarde votre tableau, on dirait... qu'elle est encore en vie. Mieux d'y aller. Désolée, je voulais pas... Non, non, c'est pas ça, c'est... Il faut y aller maintenant. D'accord, oui. Patty, tu es là? Ah, bonjour, ma jolie. Oh, bonjour, Rose. J'ai cru que Patty était revenue. Non. Je suis venue faire un peu de ménage pour les clients suivants. Quoi? Vous l'avez manqué. Elle a réglé sa note il y a à peine une demi-heure. Qu'est-ce que vous dites? Régler sa note? Une chose imprévue, un changement. Enfin, elle avait l'air drôlement pressée. En tout cas, je suppose qu'elle ne voulait pas rater le ferry. Vous devez pouvoir la rattraper. Vous aussi, vous voulez votre note? Désolée, madame, mais le bateau va partir, là. Oui, mais je cherche mon amie et elle est peut-être à bord. Vous ne pouvez pas retenir le ferry une minute, il faut que je sache. Comment elle s'appelle? Patty McMullen. Est-ce que c'est une urgence? Bah, une urgence, non. Je peux pas arrêter le bateau, sauf en cas d'urgence. Mais il faut absolument que je sache si elle est à bord. Ce que je peux faire, c'est vous vendre un billet et vous pourrez prendre le prochain ferry. Je peux rien faire d'autre, rien. Hé, hey, revenez, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Dépêche, 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 dépêche. Oui. Bonjour, c'est Patty. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Au revoir. Patty, où est-ce que t'es, nom d'un chien? T'as pas intérêt à avoir pris ce fichu bateau sans moi, je te préviens. Tu... Rappelle-moi, et pas dans une heure. Allez... Jill? Qu'est-ce qu'il y a? C'est impossible, elle n'aurait jamais pris le ferry sans moi. Et pourquoi? Parce que c'est pas son genre. Elle n'a jamais été vraiment sûre d'elle, et ça depuis toute petite. Venir ici pour Kevin, c'était très important pour elle. Mais elle ne serait pas venue si je n'étais pas venue. Non, pour elle disparaître comme ça, il a fallu une bonne raison. Peut-être qu'elle ne veut pas qu'on la trouve. Comment ça? Bah, peut-être que cette fois, elle ne veut pas que vous soyez derrière elle. Vous ne la connaissez pas. J'ai parlé à Kevin, il m'a dit qu'ils s'étaient disputés. Quoi? Il est allé un peu loin, Patty l'a mal pris et elle est partie. Comment ça, partie? Partie où? Ça, je ne sais pas. Mais si vous voulez mon avis, je pense qu'elle a pris ce ferry. Mais pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Je viens de l'apprendre. Et pour tout vous dire, Kevin est un coureur et il ment pour séduire. Oh, je crois qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Une personne est comme ça un matin, et puis le soir, c'est une autre personne qu'on découvre. Jill, je sais que c'était délicat. La porte était ouverte. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Quel est le rapport? Tu n'as pas le droit d'être égoïste, Chris. Tu dois penser aux autres. C'est ce que je viens de faire. Oui, et nous t'en sommes reconnaissants. C'est bien, Chris, mais... malheureusement, il y a juste une petite anicroche. Elle s'en cousine. Oh. Est-ce que par hasard, tu t'en doutais? Jill! Jill, attendez! Jill! Attendez! Je comprends que vous m'en vouliez. Je savais pour Kevin et j'aurais dû vous dire que Patty allait sûrement en souffrir. Le problème n'est pas que je vous en veuille ou non. Je pense à Patty. Elle est rentrée chez elle et je pense que vous aussi, vous devriez... Moi, je vais chez Kevin. Elle n'y est pas. Au moins, je serai fixée. Très bien. Je vous y emmène. Mais après, je vous mets direct dans le ferry. D'accord. Juste là. Ça lui arrive de temps en temps. Un court-circuit. D'accord. Kevin! C'est là qu'il habite? Hé, hey, Kevin! Sa voiture est pas là. Ah, je reviens. Patty? Patty? faire une bêtise, là. Où est parti? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Comment ça, ce que je lui ai fait? Jill! Chris! Je suis là! Mais qu'est-ce qui se passe? Demande-lui. Elle a failli me casser le bras. Il y a la valise de Patty et son téléphone là-dedans. Ça vous donne pas le droit d'entrer chez moi comme ça. J'aurais pu vous tirer dessus. Où est-elle? Où est Patty? Qu'est-ce que j'en sais? Je l'ai déjà dit à Chris. Elle a pété un câble et elle est partie. Qu'est-ce que vous aviez fait? Ce que j'avais fait, c'est essayer de lui faire passer un bon moment. On avait fait du bateau, elle est passée régler sa note et prendre ses affaires. Et une fois ici, marche arrière totale, plus question du rien. Si vous voyez ce que je veux dire. Espèce de fou! Et où est-elle allée, Kevin? J'en sais rien. D'un coup, elle est partie droit devant. Je lui ai proposé de l'emmener au ferry, mais elle a continué à marcher. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Ce qui me va très bien. Alors pourquoi vous avez caché son portable? Je l'ai pas caché, elle l'avait oublié. Et j'en avais marre de l'entendre sonner. Vous le voulez? Prenez-le. Et emportez aussi la valise qu'elle a laissée chez moi. C'est ce qu'on va faire. J'espère que vous le croyez pas. C'est vous qui m'avez dit que Patty n'était pas sûre d'elle. Quand elle a vu qu'il se fichait d'elle, qu'est-ce que vous auriez voulu qu'elle fasse exactement? J'aurais voulu qu'elle vienne m'en parler. Et si elle était trop gênée? Il y avait je ne sais combien de bagages dans la pièce du bas, des vieilles valises. Et alors? Et des montres, des bijoux, et plein de petites choses personnelles qu'une femme ne laisse pas derrière elle. Tout ça planqué dans un tiroir, le tiroir où j'ai trouvé le portable de Patty. Je connais Kevin depuis toujours. Mais si c'était pas le cas, si vous ne le connaissiez pas, et si c'était votre ami qui avait disparu? On va aller voir le shérif. Ensuite, vous rentrerez chez vous et vous la consolerez. Mettez-le sur la table d'examen. Non, désolé, vous devez rester là. Le klaxon s'est mis en marche et vous êtes remonté dans la voiture. Et là, il n'y avait plus de frein. Quelqu'un a dû les trafiquer pendant qu'on était chez Kevin. Ça faisait des années que je disais à Chris de se débarrasser de cette vieille bagnole. Elle avait toujours un truc qui lâchait. Shérif, c'était pas un accident. Si c'est le cas, nous le saurons bien assez tôt. Bon, et Patty? Elle est rentrée chez elle, apparemment. Semble dire, sans prendre sa valise avec toutes ses affaires. Pourriez-vous me dire ce que vous attendez de moi, exactement? Allez là-bas, interrogez Kevin, retrouvez-la. La loi ne considère une personne comme étant disparue qu'au bout de 48 heures. Mais, shérif, elle... Si passé ce délai, vous n'avez toujours pas de ses nouvelles, revenez me voir. Partout. Partout. Très mal. Allez, viens. On va te ramener. Ta mère t'a jamais dit qu'il fallait pas fixer les gens? Dégage, Logan. Qu'est-ce qu'il a, ce gosse? Il parle pas. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être qu'il a rien à dire, je sais pas, moi. Oh, si tous ceux qui n'avaient rien à dire se taisaient, on vivrait dans un monde plus tranquille. Camille, je peux te poser une question. Pourquoi t'as fait ça? J'avais besoin de son téléphone. T'as quel âge? 16 ans et t'as pas de portable? Tu vas sûrement des records. Elle veut pas que j'en aie. Surtout pas depuis que j'ai fait une fugue. Elle veut pas que tu parles à ton copain de Portland. Chris vous l'a dit. Il t'aime bien, il cherche à te protéger, il ne veut pas que ta mère te tombe dessus et te punisse encore. Ouais. C'est gentil de me dire ça. Désolée, il n'y a que 2 endroits où je peux capter quelque chose sur cette île. Et on n'y est pas du tout. Vous voulez bien me le prêter? Pour de vrai? Oui, si tu me promets de ne plus fuguer. Ouais. Elle m'a dit que j'avais enfreint la règle numéro 1. Camille? Tu sais que tu ne devrais pas être dehors à cette heure-ci. Je voulais prendre des nouvelles de Chris. Ne t'inquiète pas pour lui. Il va s'en tirer? Oui, il a subi un fort trauma, mais son état est stable maintenant. Nous serons fixés dans 24 heures. Il ne vaudrait pas mieux le conduire à l'hôpital, un hôpital sur le continent, juste par sécurité. Nous soignons nous-mêmes les nôtres sur Pine Cove, mademoiselle Robertson. Merci beaucoup. Et bonne nuit. Et bonne nuit. C'était chouette de parler avec toi. On pourra peut-être se revoir. Je ne veux pas que tu lui adresses la parole. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Et ce sac que tu as essayé de voler. Quand le comprendras-tu, Camille? Rien ne se passe sur cette île sans que je ne le sache. Je suis pas en prison. Non. Mais tu dois suivre les mêmes règles que tous ceux qui vivent ici. Et si je les suis pas? Je t'aime comme ma fille, Camille. Je te promets que jamais... tu ne seras touchée par la douleur. Rentre maintenant et ne t'approche pas de cette fille. Je sais pas pourquoi elle est là. J'ai essayé de lui dire, de la prévenir. J'ai essayé de lui dire, mais ils sont toujours là. Ils sont... Ah! Les voix. Vous entendez les voix, vous les entendez? Vous les entendez? Ils sont partout. J'ai pas le droit de... Je voulais pas. Stop! Pas elle. Pas qui, Eugène? Hein? Pas qui? Arrêtez, lâchez-moi! Plus jamais. Non, pas lui. Terminé. Ils les ont fait pénétrer. Tous, à part. J'entends leur voix. Même la sienne. Oh. Non. Emmenez-le. Vous êtes sûr que ça va? Je ne crois pas qu'il m'aurait fait du mal. C'est pas ce qui m'a semblé. Dommage d'en arriver là. Eugène n'était pas un mauvais bougre. Il a perdu sa femme il y a quelques mois, sans doute que c'était trop pour lui. Sa femme? Je croyais qu'elle était morte il y a longtemps et qu'il vivait dans la forêt. Qui vous a dit ça? Chris me l'a dit au sujet de l'homme que j'ai vu au bungalow ce matin. Non, ça c'est... On a nos petites histoires qu'on raconte aux touristes ici. Et Chris, il aime bien rigoler et de temps en temps faire marcher les gens. Ça n'a rien de marrant. Non, vous avez raison. Il est tard, est-ce que je vous ramène? J'ai ma voiture. Je vous revois demain matin. Sachez que je suis vraiment navré. Camille? Qu'est-ce que vous faites là? Je t'ai vu entrer ici, alors... Est-ce que ça va? Je crois que oui. Tu le connaissais, Eugène? Personne le connaissait. Je veux dire, il était cinglé, non? T'en as pas l'air convaincu. Ils sont tous cinglés sur cette île. Il était comme les autres. Paraît qu'il vivait dans la forêt. Faut pas croire tout ce qu'on raconte. Tu le sais, toi, où il vivait? Non. C'est ta mère. Il y a des moments où tout ce que je veux, c'est être près d'elle. Et plus près d'elle, c'est ici. Il n'y a pas de date sur la tombe, c'est arrivé quand? Ah, oh, il y a longtemps. T'avais quel âge? Je me souviens d'une maladie qui se répandait sur notre île. Les gens commençaient à mourir. Les bateaux ne venaient plus. On était abandonnés. Ils ne nous laissaient pas quitter l'île. Il y a eu une épidémie sur cette île? Personne ne savait quoi faire. Faye a tout essayé, mais les gens continuaient de mourir. Puis maman est tombée malade. Faye a essayé de la sauver, mais elle est morte quand même, comme les autres. C'est après ça que Faye m'a recueillie. Je l'aurais appris d'une manière ou d'une autre. Tous les organismes de santé du pays auraient accouru sur cette île. Faye a trouvé le remède. Quoi? Un vaccin. Plus personne n'est tombé malade. Ils avaient quoi exactement? Je vous l'ai dit, ils tombaient malades. Une sorte de grippe ou un truc très grave. Est-ce que tu crois que c'est lié à la maladie d'Eugène? Je dois rentrer, là. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être ici, hein? Il n'y a pas que sur la tombe de ta mère qu'il n'y a pas de date. Il n'y en a sur aucune. Mais chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Personne ne fait comme ça. Les dates sont là pour se souvenir. Oui, mais j'ai plus envie de me souvenir, moi. J'en ai marre de devoir me souvenir. Tout ce que je veux, c'est me tirer d'ici, partir loin où je pourrais grandir normalement et vivre ma vie. Et pourquoi tu le fais pas? Parce qu'ils m'empêchent de partir. Qui ça? Et les autres, tout le monde. Parce que tu te préoccupes de ce que pensent les autres. Non. Alors qu'est-ce qui te retient? Il faut que j'y aille. Camille! Camille, je suis prof, je fais jamais une promesse que je peux pas tenir à un élève. Et je te promets que... je ferai tout mon possible pour t'aider. Si tu veux quitter cette île, je trouverai un moyen pour t'aider. Je vais vous dire où vivait Eugène. mademoiselle Robertson. Ça fait un bon moment qu'on vous cherche. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On a retrouvé votre cousine. Comment elle va? Je suis navré. Elle est morte. Je suis vraiment désolée, Jill. Je sais que vous vous seriez bien passé de ça. Malheureusement, nous n'avons pas le choix. J'ai besoin de vous pour l'identifier. Je comprends. Bien. L'ont découverte dans l'eau près du ponton. Il était déjà trop tard. Apparemment, elle s'est noyée. Elle s'est noyée? Non, Patty était maître nageur sauveteur. Elle nageait comme personne. Elle a une forte contusion à la base du crâne. Il semble qu'elle se soit cognée la tête sur le bord du quai et qu'elle ait perdu connaissance. Cognée la tête? Après notre entrevue, j'ai interrogé les gens. Une serveuse de l'un de nos pubs se souvient que votre cousine y est venue et a bu quelques verres de trop. Non, c'est insensé, Patty, ne buvez pas. Vous avez parlé d'une dispute avec Watson. On peut boire pour oublier son chagrin. Ou bien peut-être que Watson l'a frappée à la tête et l'a jetée à l'eau. Est-ce que vous y avez pensé à ça? Je comprends que vous soyez bouleversé, mais vous ne pouvez pas accuser les gens sans preuve. Oh non, c'est pas croyable ça. Est-ce que vous avez au moins interrogé ce type? On arrête là, stop. Je veux plus entendre parler de vous. Je vais emmener ma cousine avec moi, on rentre ensemble. Est-ce que je peux avoir les papiers que je dois signer? Non, pas avant que j'ai procédé à l'autopsie. Je ne vous y ai pas autorisé. Nous n'avons pas besoin de votre autorisation. Le docteur est médecin légiste. C'est elle qui décide. Je sais que vous avez du mal à le croire, mais nous voulons savoir ce qui est arrivé à Patty autant que vous désirez le savoir. Une autopsie est vraiment le seul moyen. Je vais faire une analyse de sang, vérifier la présence d'alcool, de drogue. Et s'il y a quoi que ce soit de suspect dans ce décès, quoi que ce soit, Jill, je le découvrirai. Ça prendra combien de temps? Quelques jours. Mais nous pourrions gagner un peu de temps si vous ne voyez pas d'inconvénient à répondre à quelques questions concernant son passé, ses antécédents médicaux. Bien sûr. Merci. Vous êtes cousine germaine? Oui. Nos mères étaient sœurs. Cousine maternelle? Oui. Tenez. Oh. Pardonnez-moi, je vais m'occuper de ça. Non, c'est rien. Non, attendez. Je suis vraiment désolée. Voilà, un pansement et c'est fini. Que vous restiez sur l'île jusqu'à ce que vous puissiez ramener Patty avec vous. J'aurais voulu ne jamais entendre parler de cette île. Vous n'avez pas un parent à joindre pour vous aider à surmonter ça? Non. Il n'y avait plus qu'elle et moi. Eh bien, si je peux faire quoi que ce soit. Où est Chris? C'est vous qui aviez raison. Mon ego avait obscurci mon jugement. Je l'ai fait transporter dans un hôpital sur le continent, juste par sécurité. Et il s'en remettra? Ah oui, il s'en remettra. Mais vous, il faut absolument que vous dormiez. Je vais essayer. Vous allez prendre ça. La nuit risque d'être longue. Bonsoir. Vous avez mal écrit son nom? Vous avez mis un Y à Patty. Elle l'écrivait avec un I. Oh, vraiment? Pardonnez-moi. Je vais rectifier mon exemplaire. Bonne nuit, Jill. Patty. Fin d'après-midi, une jeune femme s'est noyée près du ponton. Et je cherche les deux pêcheurs qui l'ont trouvée. Pourquoi faire? C'était ma cousine et je voudrais comprendre comment ça a pu se passer. Vous étiez là hier? Ouais, pas de ça, petit. C'est pas nous qui l'avons trouvée. Vous savez qui l'a trouvée? Oh, monsieur, c'est très important. C'est noyé, vous dites? Oui, hier, en fin d'après-midi. Alors, il n'y a rien de plus à dire. T'as pas du boulot, toi? Bonjour, mademoiselle Robertson. Ça va aujourd'hui? Je dois parler au docteur Croft. Oh, ça c'est impossible. Pas avant demain, elle va pas avoir une minute à elle aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est la période, la saison de la grippe se rapproche. Mieux vaut prévenir que guérir. Bonne journée, monsieur Dix. Monsieur Dindridge, c'est à vous. Fiche la trouille maintenant. Va jouer avec tes copains. Copains? Où sont les enfants? Attends! Logan! Bonjour. Vous êtes monsieur Dix, n'est-ce pas? Je vous ai souvent croisé. Oh, vous êtes sourd, je suis désolée. Vous lisez sur les lèvres? Vous comprenez ce que je vous dis? Je viens de voir un ami, Chris Hamet, sortir de votre magasin. Vous avez compris, j'en suis sûre. Chris Hamet. Il a eu un accident, il est gravement blessé. Je veux juste savoir si c'était lui. Regardez. Regardez. Pourquoi vous mentez? Hein? C'est lui que j'ai vu, j'en suis certaine. Où est-ce qu'il est? Mademoiselle, qu'est-ce que je peux pour vous? Vous étiez chez le médecin tout à l'heure? Oui, la saison de la grippe se rapproche. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Alors, qu'aimeriez-vous lire? Roman policier? Roman d'amour? Guide touristique? Je viens de passer devant l'école et elle était fermée. Ah, ma foi, oui, bien sûr. C'est le mois d'août, les enfants ne reprendront pas avant un mois. Vous avez l'album photo de l'école? Il se trouve que nous l'avons, enfin, nous l'avions, toutes les photos depuis près d'un siècle, mais nous avons été inondés l'hiver dernier. Tout a été détruit. Vraiment? C'est toujours un drame. Une grande partie de notre passé a été effacée par cette inondation. Nos vieux journaux, le registre des naissances et des décès. Oh, chaque fois que j'y pense, ça me brise le cœur. Et ça n'a pas été mis sur ordinateur par hasard? Nous ne vivons pas avec notre époque. Est-ce que certains des vieux journaux ont été archivés sur microfilm? La plupart des gens ne savent même pas à quoi sert cette chose. Pine Cove a 200 ans. Un touriste se noie en tombant d'un ponton. L'énergie solaire. Escalade fatale. Accident de bateau. Encore un touriste? Noyade d'un touriste. Randonnée mortelle. Vous faites des recherches sur notre île? On peut dire ça. Pine Cove accueille la famille d'Eugène Fritz. « 22 mai 1862. » C'est fini, on ferme. Tu trouves ton bonheur? Comment vous êtes entrée ici? T'as oublié de fermer la porte? Où t'as eu la clé? J'ai les clés de toutes les portes de la ville. Ils sont tellement ramollis du cerveau dans ce bled. Qu'est-ce que tu cherches? Faut toujours qu'il pense ces fichues bouteilles, lui. Tu devrais pas boire. Je bois pas. Je veux juste avoir l'odeur de quelqu'un qui boit. Ça me fait péter les plombs. Subtil. Où est Chris? À l'hôpital, sur le continent. T'en es sûr? C'est ce qu'a dit Faye. Toi aussi, t'as eu une piqûre? Oh, je la déteste. C'est toujours elle qui décide. C'est qu'un vaccin contre la grippe, elle ne veut que ton bien. Vous savez même pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce que vous faites encore ici, hein? Rentrez chez vous, tirez-vous de cette île. Quelle est ta meilleure amie au lycée? J'ai pas d'amis au lycée. D'accord, qui est le cancre de la classe? Quoi? Qui a les meilleures notes? J'en sais rien. Le plus beau garçon, le plus sympa? J'en sais rien. Donne-moi un nom, Camille, un seul nom d'une autre personne de moins de 20 ans sur cette île à part toi et le petit Logan. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je comprends pas. Je suis presque certaine que pas un seul enfant n'a vécu sur cette île depuis un siècle à part toi et ce môme. Et je veux savoir pourquoi. Demandez à Faye. J'en ai l'intention. Mais d'abord, je veux voir ma cousine sans ta mère. Ça, c'est le truc impossible. Seulement si tu m'aides pas. C'est dingue ça, mais qu'est-ce que vous êtes bête? Le téléphone est encore coupé? Le téléphone? Non. Faye a essayé de vous appeler. La poste a laissé un paquet par erreur à l'embarcadère du ferry et elle veut que vous alliez le chercher. Maintenant? Bah oui, vu qu'elle appelle depuis 1 heure et que vous décrochez pas le téléphone. Je n'ai pas bougé d'ici. Bon, bah déjà qu'elle est de super mauvais poil, alors traînez pas. Il faut que je ferme. Je fermerai, vous en faites pas. Et elle veut que vous le déposiez à la maison. Après, vous rentrez chez vous. Bah, allez, dépêchez-vous. D'accord, d'accord. Tu vas avoir de gros ennuis avec ça. Oh, pas beaucoup plus que d'habitude. Je demande pardon. Elle n'a plus de sang. Oh mon Dieu, Patty. Je suis la prochaine. Bonjour, je suis mademoiselle Robertson, je suis à Pine Cove et je voudrais avoir le poste de police le plus proche sur le continent. Je vous mets en relation avec le bureau du shérif de Pine Cove. Non, je veux parler à un policier sur le continent, vite, s'il vous plaît. Quelle est la nature de votre urgence? Je pense qu'ils ont tué ma cousine, je suis pratiquement sûre qu'ils ont tué beaucoup d'autres personnes. Allô? Où êtes-vous, mademoiselle Robertson? Je suis sur l'île de Pine Cove, je vous l'ai dit. À quel endroit sur l'île? Connaissez-vous l'adresse? Y a-t-il un panneau, un point de repère? Non, pourquoi vous avez besoin de ça? Calmez-vous. Bien, Jill. Je ne vous ai pas donné mon prénom, il me semble. Chris? Est-ce que c'est vous? Ça va? Non, Jill, attendez. Chris? Mais qu'est-ce que... Vous aviez le visage en sang, je vous ai vu. Faut croire que ma tête dure m'a enfin servi. Vous fichez pas de moi. C'est quoi ici, un repère de monstres? J'ai vu le corps de Patty. Elle ne s'est pas noyée, ils l'ont tuée. Comment vous le savez? Parce qu'en cas de noyade, les capillaires de l'œil se rompent par manque d'oxygène, pas les siens. Et elle n'est pas la première, n'est-ce pas? Et j'ai la même tache de naissance, alors je suis la prochaine, hein? Vous devez quitter cette île au plus vite. Ce soir, dès que vous serez en lieu sûr, je vous expliquerai tout, Jill. Le dernier ferry vient de partir. D'accord, il y a une crique de l'autre côté de l'île. Il faut couper par la forêt, puis on prendra mon bateau. Il n'est pas gros, mais il vous emmènera en face. J'ai promis à Camille de l'emmener avec moi. Je lui expliquerai, elle comprendra. Non, je partirai pas sans elle. Oui. Allez, dépêchez-vous. Bonsoir, Chris. Shérif? Mademoiselle Robertson, je vais devoir vous demander de me suivre. Pour quelle raison? Je vous arrête pour le meurtre de Patty McMullen. Quoi? Vous avez altéré son cadavre dans le but de masquer les preuves vous inculpant. Non, shérif, non. Et dans votre bungalow, nous avons trouvé l'arme du crime. Vous êtes dingue. Ne rendez pas cela plus pénible qu'il n'ait besoin. C'est faux, shérif, et vous le savez. Pourtant, c'est comme ça. Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Chris. De l'analyse de son sang, Chris. C'est parfait. Dommage qu'il n'y ait plus aucun membre de sa famille. On dirait qu'avec le temps, vous avez fini par aimer ça. On dirait qu'avec le temps, tu as oublié comment nous avons survécu. Moi, jamais. Eux non plus. Ne la touchez pas. Tu tiens vraiment à elle. Je ne crois pas qu'on puisse encore te faire confiance. Qu'est-ce que vous avez prévu pour moi, hein? Je vais me noyer près du ponton ou je vais avoir un accident de voiture? Essayez de vous détendre. Ça ne sera pas long. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je vous ai vu mort. Vous l'aviez reconnu, n'est-ce pas? Vous reconnaissez ça? Non, non. Eugène, n'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Je veux juste voir votre... Non, non, stop, il faut pas... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut pas toucher. Eugène, dites-le-moi. Non, faut pas toucher, pas toucher. Camille? Je vous l'ai dit, j'ai les clés de toutes les portes. Ils retiennent Chris, mais je sais où est son bateau. J'ai vu Eugène se faire tuer et ce soir il est vivant. C'est grâce aux injections? Je lui avais dit d'arrêter, moi j'en voulais plus. Ils ont utilisé le sang de Patty comme vaccin, c'est ça, hein? Mais pourquoi le sien? Il faut pas rester là. L'épidémie. Quelqu'un qui n'était pas de l'île n'a pas été contaminé. Quelqu'un qui avait la tâche. Faye a dit que ceux qui l'avaient avaient un sang plus fort. Sans le vaccin, on tombe malade et après les gens meurent. Et avec? Bah avec, on guérit très vite. Comme Chris et Eugène. Et ils arrêtent de vieillir. J'ai vu une photo d'Eugène qui avait été prise en 1862. L'année où tout le monde a été malade. Alors tu as 16 ans depuis... 16 ans depuis 145 ans. Ah! Allez, sur la suivez-moi! Oui, sur le bas, je les ai vus! Vite, vite, faut pas qu'elle s'échappe! Attrapez-les! Là, 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 là! Venez, venez, venez! Voilà! Allez, Camille, viens vers nous! C'est quoi? Bouclez l'autre côté! Allez! C'est pas rien de... Oh mon Dieu! Allez, calmez-vous! Ils sont partout! Laissez-nous tranquilles, allez-vous-en! Vous ne pouvez pas tuer les gens comme ça, froidement! Mes proches voudront savoir ce qui m'est arrivé. Et ils seront bouleversés en apprenant que vous vous êtes noyé en voulant sauver votre cousine. Non, ils poseront des questions et ils découvriront ce que vous faites ici. Comme vous l'avez dit, il n'y a plus que vous et votre cousine. Personne ne viendra ici puisque vous ne manquerez à personne. Laisse-la partir, Faye. Tu en as besoin autant que nous. Ou tu vivras les atroces souffrances qu'a vécu ta mère. Tu parles pas de ma mère, espèce de... Oh. Et Camille et moi, qu'est-ce qu'on devient? Hein? Vous pouvez pas nous tuer, vous allez nous garder prisonniers pour toujours. Prisonniers? Quel prisonnier? Alors pourquoi tu me retiens ici? Parce que nous devons rester ensemble. C'est notre seul moyen de survivre. Tu ne peux pas trahir les tiens. Ta famille, pour une continentale. Ah, on ne peut pas se fier à eux, tu le sais. C'est fini, stop. Écoutez-moi. Arrêtez ça maintenant. Tu sais ce qui se passerait si on n'avait pas les piqûres? Je ne veux pas mourir comme ça, Chris. Non. C'est criminel. Ce qui était criminel, c'est que le continent nous abandonne pour nous laisser mourir ici. Ça, c'était criminel. Et ça justifie ça? Tuer des gens du moment que vous survivez? Oh, comme c'est facile de juger les autres. Vous n'avez jamais eu à décider de ce que vous devriez faire pour sauver ceux que vous aimez. Mais vous ne pouvez plus les sauver maintenant, n'est-ce pas, docteur? Oui, regardez-vous. Ça ne marche plus. Et elle le sait. Dites-leur, Faye. Emmenez-la à mon cabinet. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a jamais eu d'Émilie. Elle n'était qu'une de vos histoires. Émilie était ma fille. Elle fut l'une des premières à nous quitter. Mais vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Ni aucun de vous à cause du vaccin. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enfants sur cette île. C'est un choix que nous avons dû faire si nous voulions survivre. Allons-y. Alors vous avez échangé la vie éternelle contre la solitude éternelle. Qu'est-ce que vous attendez ? Allons-y! Regardez sa peau! Vous voyez? Le vaccin n'est plus efficace. Il ne vous immunise plus comme avant. Ne l'écoutez pas. Vous n'étiez pas fait pour vivre si longtemps. Aucun de nous n'est fait pour ça. La machine est usée, vos corps ne suivent plus. Et vous devez être vacciné plus souvent. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et Logan? Pourquoi il ne parle pas? Et Radix, il a toujours été sourd. Et Chris tousse de plus en plus depuis que je suis là. Et vous, Faye? Vos mains ont toujours tremblé? Non, elle délire. Elle ne sait pas ce qu'elle dit et elle dit n'importe quoi. Eugène en a perdu la raison, il est immortel. Mais vous ne pouvez pas le soigner. Je suis toujours occupée de vous. Toujours. Et ça sera de pire en pire. Et si vous me tuez, ça ne changera rien. Prendre mon sang ne vous sauvera pas. Ça ne sert plus à rien. Faye? Elle n'est pas des nôtres. Elle ignore ce que nous avons enduré. Souvenez-vous tous que... Comment c'était avant le vaccin? Je vous ai tous sauvés cette fois. Je vous ai sauvés, je vous sauverai encore. Et je peux nous garder tous en vie. À quel prix? Celui de votre vie, contre la leur. Non, non. Qu'est-ce que je... Non. Non, ça. Qu'est-ce que vous dites? Faut pas faire ça. Je vous ai sauvé la vie. Je vous ai tous sauvés. Arrêtez, Faye. Je vous ai sauvé. C'est fini. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Elle va raconter ça à tout le monde, Chris. Et on devra en répondre, Kevin. Nous tous. J'irai pas en tôle, moi. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Je l'ignore. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, alors? Vivez votre vie. Employez au mieux le temps qu'il vous reste. C'est ce que tout le monde fait. Non. Non.